Il y a 2 semaines, on s'était fait un petit tournoi d'artefacts avec des plumes et des fleurs, et ça vous avait bien plu. Du coup, aujourd'hui, on va recommencer. On a demandé aux gens de nous envoyer leurs meilleurs artefacts pour sélectionner les 8 meilleurs et se faire un petit tournoi d'artefacts entre tous les beaux artefacts qu'on va voir. Sauf qu'aujourd'hui, la thématique, c'est coupe de dégâts élémentaires. Celui qui gagne cette coupe aura la meilleure coupe, exactement. Et je vous rappelle, le perdant doit évidemment foutre son artefact. Ils ont tous signé un contrat comme quoi ils étaient d'accord de foutre un artefact. Donc le perdant à chaque fois doit foutre son artefact. Qui de Rail ou de Arcadian va devoir foutre sa coupe? C'est maintenant, bien sûr. Non, je rigole. Ça serait vraiment trop drôle. Non, je rigole, ils ont pas besoin de foutre leur coupe. Mais j'avoue que ça serait très très marrant s'ils devaient foutre leur coupe, en vrai, vous imaginez. On a Arcadian contre Rail. Ça va être la première coupe qu'on va aller voir. Et vous pouvez déjà le voir, c'est bonus de dégâts physiques contre bonus dégâts cryo à droite. Allez, c'est parti. Coupe dégâts physiques contre coupe dégâts cryo. Bien sûr, elles sont toutes les deux plus 20, GG à eux. Et première statistique, nous avons... Ouh. Ouh. Attention, mais à gauche, ça commence très très bien par contre. Taux critique 17,5, bien sûr. 17,5 de TC sur la coupe contre 28% sur la coupe cryo. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. On est très très bien. Derrière, on va avoir... Waouh, ça fait beaucoup en fait. Attendez, 17,5 de TC, 14,8 de dégâts critiques contre 4,1 d'attaque pour cent. Ce n'est pas une coupe qui est à 50 de crit value, malheureusement elle est à 49,8 du côté de la coupe physique, bien sûr. Pour une Eula en plus, vous avez un maximum de taux critique, ce qui est pas mal parce que sur Eula on veut crit. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté, je pense que c'est pas fini. On a défense pourcent du côté de la coupe physique, attaque flat du côté de la coupe cryo, donc deux stats qui servent à rien, bien sûr. Et enfin, en dernier, nous avons recharge d'énergie 5,8, ce qui est extrêmement bien en vrai. Et taux critique 9,7 du côté de Rail, bien sûr, ce qui amène Rail tout simplement à, je crois, 47,6 de crit value sur cette coupe. Nous avons une coupe cryo, bien sûr, à droite avec de l'attaque pourcent et 48,6 de crit value. À gauche, nous avons 49,8 de crit value avec de la recharge d'énergie, non pas de l'attaque pourcent. Le chat, bien sûr, qui va pouvoir voter la meilleure coupe pour ce premier. Exactement. Est-ce que c'est Rail ou est-ce que c'est Arcadian? J'ai l'impression que la coupe physique, elle est trop belle en vrai. Elle est trop trop belle, je trouve. Puis les 17,5 de TC, ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Super coupe là. Ouais, en vrai, la coupe là est vraiment pas mal, moi, je trouve. Hein. Et c'est Arcadian qui va gagner ce premier match à 81 votes contre 32. Rail, tu es éliminé. Bien sûr. A bientôt, Rail. Stellight contre Axelute. Excusez-moi, pas Alexute, mais Axelute. Il y a une coupe d'Endro du set d'Endro. Donc, coupe d'Endro dans le set d'Endro contre coupe Pyro sur du Vagabond. Les deux sont niveau 20, c'est exceptionnel. Hein. C'est parti, première statistique. Dégâts critiques 30,3 du côté de Axelute. 15,5 de dégâts critiques du côté de Stellight. Pour l'instant, bien sûr, gros proc DCC du côté de Axelute. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. En deuxième statistique, on a défense flat contre recharge 16,2. La recharge d'énergie quand même qui est vraiment pas mal. Une bonne statistique. Il y a eu deux procs ici en recharge d'énergie, plutôt des high procs contre un flat def du côté de Axelute. On a ensuite... taux critique 10,1 du côté de Axelute qui amène la coupe, bien sûr, Pyro à 50,5 de crit value, si je ne m'abuse. Donc, vraiment pas dégueulasse. On a def 23 du côté de Stellight. Et en dernière statistique, on va avoir un taux critique 10,5 du côté de Stellight, ce qui va nous amener à 36,5 bien sûr, de crit value. Et on a attaque 16 sur Axelute. Donc, d'un côté, on a plus de crit value puisqu'on a 50,2. De l'autre, on a que 36,5 de crit value, mais par contre, on a 3 proc recharge d'énergie, bien sûr, ainsi que de la def, et de l'autre côté, on a de la def et de l'attaque flat. Et il va falloir voter, c'est très très dur, c'est très très dur, parce que d'un côté, on a une énorme crit value, mais on a des stats un peu moins ouf, et du côté de Stellight, on a une crit value un peu plus basse, mais on a des stats plus intéressantes, notamment on a eu des procs en recharge d'énergie, et du coup, on n'a pas un proc ou une statistique inutile sur l'artefact. Est-ce que la communauté sera matrixée, bien sûr, par la crit value? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec ce superbe flex d'artefact. C'est parti, vous pouvez voter, vous pouvez y aller. Pour l'instant, 78 votes pour la coupe d'Endro contre 50 votes pour la coupe Pyro. C'est quand même impressionnant parce que une coupe Pyro vagabond avec 50 de crit value, ça se voit pas tous les jours. Mais peut-être que le chat n'est pas si copium que ça finalement et va récompenser les belles stats de Stellight plutôt que la crit value seule de Axelute. 58% contre 42 et c'est Axelute qui va
perdre contre Stellite. Stellite qui va gagner ça, qui se retrouvera en demi-finale tout à l'heure. J'aurais pensé que vous voteriez pour la coupe Pyro, vous connaissant votre amour pour le taux critique et le dégât critique. Mais en vrai, non, vous n'êtes pas fait matrixer. J'ai envie que vous vous applaudissiez un peu dans le chat, en vrai. Bravo à tous. Bravo, bravo, bravo. Moi, je trouve que vous avez raison. J'aurais voté aussi pour la coupe de Stellite. Allez, hop. Le prochain artefact, directement, c'est celui de Leyane contre Kai et Josh. Et de manière assez marrante, eh bien, nous avons deux sets recharge d'énergie. Donc là, on va avoir un vote qui va être très sympathique, je pense. D'un côté, une coupe électro. De l'autre, une coupe hydro. Donc on peut imaginer une coupe hydro, bien sûr, pour Yelan, pour Xingqiu, pour Jean-Claude Van Damme. Et une coupe électro pour Raiden Shogun, par exemple, évidemment. Allez, c'est parti! Les deux sont plus 20, encore GG à eux d'avoir foutre des artefacts dedans, bien sûr. On commence directement. C'est la première fois que ça le fait, mais c'est marrant quand même. Def 23 contre dégâts critiques 18,7. Ouais, je sais pas trop. Bon, quelque chose à noter quand même sur ce dégât critique, c'est du low proc. C'est du low proc 18,7, c'est 2 proc dégâts critiques low. Donc malheureux pour Leyane pour l'instant là-dessus, mais on va voir comment il se rattrape. Ensuite, on a dégâts critiques 14 contre PV 299. Ici, on a 2 proc à 7% du côté de Kai et Josh. Très bien, très bien. On a maîtrise élémentaire, pas mal, maîtrise élémentaire. Oh, recharge d'énergie. Recharge d'énergie, encore mieux que maîtrise élémentaire pour moi dans un set 4 recharges d'énergie, bien sûr. Maîtrise élémentaire en dessous de recharge d'énergie. Recharge d'énergie ici qui fait bien plaisir sur la coupe hydro. Et enfin, dernière statistique, on a 17,1 de taux critique chez Kai et Josh et 15,2 chez Leyane. Alors, si je ne m'abuse... ici, Leyane a eu full high proc. Leyane a eu beaucoup plus de high proc que Kai et Josh, ou au moins des procs plus puissants, puisque finalement, Leyane avait eu 2 procs en DCC, Kai et Josh n'en avait eu qu'un, et Kai et Josh n'est qu'à 17,1, où Leyane est à 15,2. Donc il y a eu des plus gros procs TC du côté de Leyane, ce qui rattrape un peu. Au niveau de la crit value, on a 34,2 plus 14, donc on est à 48,2 du côté de Kai et Josh. Et du côté de Leyane, bien sûr, on est à 30,4, on est à 48, on est à 49,1. Donc voilà, 49,1 contre 48,2 de crit value, c'est un peu pareil. Après, il y a maîtrise en terre, la recharge d'énergie. C'est parti, je vous ouvre le pôle, bien sûr, il va falloir voter la meilleure entre Leyane et Kai et Josh. Vous pouvez y aller, une minutas pour voter, c'est parti. Elles font très très plaisir en vrai, hein. Elles sont giga belles. Giga belle, mais vous avez raison, recharge d'énergie au-dessus de maîtrise élémentaire. Je pense que tout le monde a voté Hydro, je vais voir. Et c'est Leyane qui pour l'instant met un 92% à Kai et Josh. Ça veut pas dire que la coupe de Kai et Josh est mauvaise, mais objectivement, recharge d'énergie dans le set, c'est meilleur. On a 1% de crit value de plus. Je crois que ici, Kai et Josh malheureusement se fait détruire par la concurrence, hein, avec cette coupe Hydro qui est pas mal, hein. Pour votre Yelane, on aurait aimé PV% à la place de PV flat, mais même PV flat, c'est prenable, hein. C'est prenable, c'est prenable. Et GG à Leyane qui va passer en demi-finale. Et il nous reste 2 coupes à voir avant de passer aux demi-finales, bien sûr. Je vous remets le visage, bien sûr, innocent de Kliluk. Voilà. Dernier artefact, Lensino contre Xeno, bien sûr. C'est parti, nous avons une coupe du set recharge d'énergie. Pyro contre une coupe cryo du set réminiscence. Directement, ils sont tous les deux plus 20, c'est magnifique. Taux critique 14,8, dégâts critiques 14,8. Ne vous méprenez pas, c'est bien le même chiffre, effectivement, c'est bien le même chiffre. Mais par contre, il y en a un, c'est du TC et l'autre, c'est du DCC. Donc Xeno qui a 14,8 de TC, Lensino qui en a 14,8, mais de DCC. Mais c'est assez marrant. Ne vous laissez pas matrixer, bien sûr. Deuxième statistique, attaque 5,8 du côté de Lensino contre attaque 19 en flat ici. Clairement, meilleur pour Lensino ici, mais bon, on va voir ce qui se passe après. Ok, on a le taux critique. Le taux critique de Lensino qui est à 10,1. Ça nous donne déjà une crit value pour Lensino. On peut l'imaginer. Elle est tout simplement à 35%. Maîtrise élémentaire plus 16 du côté de Xeno. Sur du Pyro, c'est pas mal, notamment pour des belles évapes, hein. On peut penser à une Wu Tao par exemple. Et enfin, la dernière stat. Oh, dégâts critiques 21,8 du côté de Xeno, bien sûr. Ce qui amène sa crit value à 50, hein. 50 même plus, hein. 50 et des brouettes, hein. Ça l'amène à 51,4% de crit value, ce qui est assez énorme en vrai. Et du côté de Lensino, on a 11% de recharge d'énergie. Donc un proc recharge d'énergie ici. Une coupe vachement équilibrée encore une fois. Quelle coupe vous allez préférer? C'est encore assez difficile à dire. Puisque là,
Finalement, on a le même nombre de proc utiles sur les deux artefacts, sauf que chez Xeno, ça a full proc TCDCC, chez Lens, ça a proc en recharge d'énergie, mais au fond, au moins, Lens n'a pas de proc flat ou de stats perdu. Donc, pour laquelle avez-vous voté? La division du chat pour l'instant, 59% pour Xeno, 41% pour Lensino. Votez si vous voulez sauver, bien sûr, la coupe de Lensino. Est-ce que, bien sûr, la suprématie de la crit value vaincra Lensino et ses stats utiles? C'est une bonne question. Eh bien, mesdames et messieurs, je crois que la crit value va l'emporter ici. Cette belle coupe qui pourrait partir sur une Xiangling ou même une Wu Tao, bien sûr, va faire que Xeno va remporter ce match et passer en demi-finale, bien sûr. Dommage, Lensino, pas très très loin. Mais ça n'a pas suffi. Pas très très loin, mais ça n'a pas suffi. Et je vous mets tout de suite le Cliluc. Donc là, on a les 4. Maintenant, ça va aller très très vite. Vous allez voir que ça va aller giga fast. Parce que ça va être la demi-finale, bien sûr. Los demi-finales. Je vais désactiver Cliluc. Et vous allez pouvoir apprécier ces artefacts. Petit résumé, mesdames et messieurs. Nous avons la coupe physique, bien sûr. À notre gauche, de Arcadian. Vous l'avez, elle est belle. Elle est très très belle, même. Hein. On en a parlé, reparlé. Avec 49,8 de crit value et recharge énergie 5,8 contre celle de Stellite avec un 36,5 de crit value mais 16,2 de recharge d'énergie. Elle est dendro dans du dendro, bien sûr. C'est parti, préparez-vous à voter, ça va aller très très vite à partir de maintenant. Demi-finale 1, Arcadian contre Stellite. Ce qu'on veut, c'est un gagnant, c'est à vous de voter, vous avez une minute. Le chat, bien sûr, qui va voter pour la plus belle coupe entre ces deux-là. Inset tous les jours. Ah ouais, vraiment, pour vous, c'est dans le set tous les jours, bien plus que l'autre. Après, le dendro, c'est banger. Hein. Moi, je dirais, hein, je kiffe ça. Si je pouvais manger du dendro tous les jours, je le ferais. Petite salade et tout, là. Et c'est Stellite qui semble l'emporter à 90 votes contre 60. 60% contre 40%. GG à Stellite qui va passer en finale. On le retrouvera juste après. Et maintenant, tout de suite, place à la deuxième demi-finale, les amis. La deuxième finale, c'est Leian contre Xeno. Vous l'avez là. Leian avec sa magnifique coupe hydro, bien sûr. Tous les deux ont une stat perdue. D'un côté, vous avez Leian, coupe hydro avec recharge d'énergie dans le set recharge d'énergie. Contre Xeno, coupe pyro. Bien sûr qu'il n'a pas de recharge d'énergie dans le set avec 16 de maîtrise élémentaire. Je vous le rappelle, d'un côté on a une crit value à 51,4 pour Xeno et de l'autre côté nous avons une crit value à 49, et des brouettes je crois. Hein. C'est reparti, demi numéro 2, après ça sera directement la finale. En vrai ça me fait mal au cœur parce que je me dis qu'une coupe comme ça, j'en aurai jamais, non? Est-ce que vous pensez, vous en tant qu'humain, vous voyez, dans votre vie, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir réussir à avoir une coupe comme ça un jour? Attendez, mais tout le monde vote Leian, 72% pour Leian au-dessus de Xeno. Mais j'aurais cru que c'était l'inverse. 100 votes pour Leian contre 39 contre Xeno. Mais qui l'eût cru? Ouais, celle de Leian est parfaite pour Leian, il y a PV recharge. Bah, en vrai, de l'autre côté, l'attaque flat sur Xiangling, c'est pas stat poubelle non plus, non? Et c'est Leian qui va passer en finale avec 111 votes contre 48. Incroyable. Perfect dans cette pour Leian, alors que Pyro, emblème, ça sert pas? Bah si, Pyro emblème, c'est Xiangling, les gars. Il y a quand même quelqu'un qui a réussi à dire, oh, à coupe Pyro en emblème, les gars, ça sert à rien. Je dis, quoi? Nani. Et c'est parti pour cette finale, mesdames et messieurs. Stellite contre Leian. Je vous le rappelle, 36,5 de crit value à côté, 16,2 de recharge d'énergie avec de la défense, dendro into set, dendro. Et de l'autre côté, nous sommes à 49,1 de crit value, recharge d'énergie, 5,2 dégâts hydro dans de l'emblème. C'est parti, c'est la finale, je vous ouvre le pôle, c'est Lai contre Leian. Celle de Leian est parfaite pour Yelan, ça se joue sur l'utilité de la dernière stat, PV supérieur à def bien sûr. Ouais, il me semble que Leian... Ouais, 3... si vous faites 15,2 divisé par 4, vous avez 3,8. Leian n'a que des high proc taux critiques ici. C'est un proc de base high proc et 3 proc dans le TC qui sont max roll, bien sûr. Donc malgré les low proc DCC, c'est vrai qu'il a des procs de ouf en TC. Hein. Et pour cette finale, bien que vous y étiez 44 à voter pour Stellite, c'est Leian qui a gagné. GG Leian, ton artefact est donc le champion des coupes dégâts élémentaires, bien sûr. Bien joué à toi, GG. Il a flexé sa chance, bien sûr, puisque au final, ce n'est que de la chance, bien sûr. Mais quand même, GG, Leian, elle est très très belle. J'imagine qu'elle est sur ta Yelan, du coup. Hein.
J'espère qu'elle est sur Taïlan. Il gagne un Malabar? Oui, oui, un bon Malabar. Eh bien les amis, semaine prochaine, on se fait, ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines, en gros, quand il y en aura un, on se fait Diadème TC. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé à ce flex d'artefact et à ce tournoi, ça fait toujours plaisir. J'espère que ça vous a plu. Et pour la VOD YouTube, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à vous sub à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Ciao, bye!